Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier opening de l'année 2020. Je ne peux pas résister, ça fait 3 jours que je l'ai, ça fait 3 jours que je veux faire la vidéo. Donc je la fais ce soir, ça sera pas long. Voilà le nouvel oracle, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Je l'ai présenté très rapidement sur la vidéo des scorpions et des poissons parce que je l'ai reçu le même jour que j'ai fait la vidéo. Donc, je n'y tiens plus, je l'ouvre. Donc, bien sûr, je pense que je l'utiliserai dès le mois de janvier 2021. Comme d'habitude, je ne montre pas toutes les cartes, mais je montre vraiment l'essentiel. Joli rouge. On a le livret. Donc voilà, si vous l'avez, on a en fait deux types de cartes, hein. On a la petite pochette. On a en fait deux types de cartes. On a des cartes avec des animaux, avec des... Oh, j'adore. Allez, on se fait... J'adore. Comme vous le savez, j'adore les bordures dorées. Merci, merci. Donc on a des cartes avec ou des animaux ou des personnes, enfin des plus des symboles voilà, avec des animaux, donc là le coquillage pour représenter la timidité, l'isolement. Avec une petite phrase, pas conseil, mais bon, un peu clé, s'extraire de sa coquille. Le chat. Donc la ruse, le jeu, mais aussi également attendre le bon moment pour agir, comme un chat qui bondirait sur sa proie. Donc la noyade, l'égoïsme est mortifère, égoïsme tromperie. Donc on a le personnage, voilà, qui se reflète dans l'eau, un peu de manière narcissique là. L'enchanteresse, la séduction est un filtre d'amour. Séduire, le pouvoir de la séduction. Le miroir. Donc on a vraiment cet univers un peu des sorcières, hein, de la sorcière. Et également donc dans un tout autre ton, puisque là on a des cartes noires. Et dans un tout autre genre, on a donc les runes. Ok. Donc voilà, je pense que ça va bien. Ça va être magnifique le mois prochain. Bah, je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo. Après, voilà, je pense que on se doute un petit peu que dans le livret, on a donc des détails sur ou les animaux ou le thème. On a le sentimental, professionnel, spirituel. Pour les runes, l'indication, on va dire, classique, hein, de la rune en question. Donc on découvrira tout ça au mois de janvier 2021. Voilà, en tout cas, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo, juste vraiment de découverte. Et puis à très bientôt en 2021. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année.